Merci. Bon, nous allons essayer de vous faire une soirée passion, mais aussi une soirée raison. On va commencer par un Vierzonais, Félix Pia. Lettre à Marianne, dans une brochure du comité de la Commune révolutionnaire. Cette lettre a été écrite à Londres en 1856, puisqu'il a été exilé, comme de nombreux communards avant d'être communards, par l'Empire. Salut Marianne, pleine de force. Le peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la République, est béni. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous, délivre-nous. Vierge Marianne, entends, écoute, exauce nos litanies, nos prières et nos vœux. Asile du banni, liberté du captif, patrimoine du pauvre, famille du paria, espoir de l'affligé, force du faible, foi du mourant, immortalité du mort. Rends-nous la France, rends-nous la patrie, rends-nous la République. Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristocrates. Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Vierge de la vérité, délivre-nous des diplomates. Vierge de la sincérité, délivre-nous des alliances et des conférences. Vierge de la probité, délivre-nous des excellences, des mouchards, du Sénat, des voleurs, du budget, de l'emprunt, de l'impôt, de la bourse, de la banque, du grand livre, de la guerre, de la famine, de la peste, de l'empire et de l'empereur. Ainsi soit-il. Écrit en novembre 1870 par Eugène Potier. Dialogue entre Guillaume, celui qui va venir l'empereur de Prusse, et Paris. Paris, comprends ton danger. J'ai pris ton armée au piège, ouvre, ou je vais t'assiéger. Assiège, répond Paris. Tu verras se consumer le vieillard, l'enfant, la femme. Ouvre, ou je vais t'affamer. Affame. Un cratère va flamber, brûlant palais et mansarde. Ouvre, ou je vais bombarder. Bombarde. Tous n'ont pas cette raideur. Pour la paix qu'on maquignonne, quel est ton ambassadeur ? Cambronne ! Voilà, donc on a changé, on alterne hein, ici. On essaye de suivre à peu près l'ordre chronologique. Et je vais sortir de l'année 1870 où nous sommes pour remercier quand même les gens de la technique hein, qui ont œuvré toute la journée. J'étais là ce matin, j'ai vu Claude Tanguy et Pascal Soula. Il faut effectivement que les applaudissements soient réservés, même si c'est une interruption, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Merci. Alors, vous savez qu'Édouard Vaillant, pour certains, est une de mes préoccupations, quasi quotidienne, diurne et nocturne presque. Voilà. Donc, j'ai commencé par Édouard Vaillant. D'ailleurs, nous sommes chez Édouard Vaillant. Ici, autrefois, ça s'appelait... cette propriété où il y a tout le lycée Henri Brisson, ça s'appelait les Moulins Verts, et c'est là qu'était la famille Vaillant, au coin de la rue, là, avec la rue Charles-Urvois et l'avenue Henri Brisson actuelle, c'était là qu'habitaient les Vaillants au moment de la Commune de Paris. Et ils ont été expropriés 13 ans après pour qu'on construise le lycée Henri Brisson. Henri Brisson et Charles-Urvois s'étant ligués contre ce radical trop à gauche pour eux, hein, lui chercher quelques ennuis. Alors, Vaillant, là, en décembre 70, eh bien, il est à Paris. Paris est assiégé par les Prussiens, vous le savez, c'est le siège
avec un hiver terrible. Bon, je ne vous raconte pas les animaux du jardin des plantes, toutes ces et les rats qu'on mange, etc. Donc la vie est très difficile pour les Parisiens. Ce sera une des causes de la Commune de ne pas accepter l'armistice. Et Vaillant envoie ici, à la Décale, enfin, à la pré-Décale, une lettre par ballon monté, parce qu'il n'y avait que ce moyen pour passer au-dessus des lignes prussiennes qui avaient des canons Krupp, qui tiraient, mais qui ne dégommaient pas les ballons dirigeables à tous les coups. Donc la lettre de Vaillant est arrivée, je vous la lis. Cachet postal, Paris, 7h, 13 décembre 70, Sénat. Madame Vaillant, route de Paris, numéro 27, à Vierzon. C'était l'adresse auparavant. Département du Cher, Paris, le... Alors il n'a pas mis la date exacte, décembre 70, mardi soir. Chère mère, le mauvais temps retarde encore l'effort qui doit dégager Paris et nous restons toujours sans nouvelles de l'armée de la Loire. Cette incertitude m'est d'autant plus douloureuse que je crains que le Berry ne devienne l'objet de l'invasion prussienne et que tu n'aies pas eu la prudence de quitter Vierzon, ainsi que je te le conseille depuis longtemps. Beaucoup de personnes ont reçu des dépêches de la province. Je n'ai pas été parmi ces privilégiés et cela augmente mon inquiétude. Si j'étais sûr que ta santé est bonne, que tout va bien pour toi, pour mon père, pour tous, je serais bien plus tranquille, car tout le reste va assez bien et nous sommes plus près que jamais de la victoire et de la délivrance. Pour moi, je vais toujours parfaitement, et n'ai jusqu'ici eu à souffrir d'aucun des inconvénients d'un siège. Je t'écris en ce moment du café où je suis avec les citoyens Rojard, Longuet et quelques autres amis qui t'envoient leurs amitiés. A-t-on enfin compris en province que le seul moyen de salut est de se donner franchement à la République? Hors de la Révolution, pas de salut. Qu'on se lève donc en masse contre les Prussiens, qu'on institue partout des communes républicaines, qu'on fasse de la propagande révolutionnaire, qu'on se dise qu'aussitôt la victoire définitive, car il ne faut pas traiter tant qu'un seul Prussien souillera le sol français, il faut installer un gouvernement révolutionnaire formé de délégations des principales communes. Il avait écrit deux républicaines de France, mais il l'a rayé, donc des communes républicaines de France chargées de la liquidation de la situation. Jusqu'à cette liquidation, toute assemblée, il allait écrire nationale, mais il a préféré rayer et rajouter dite nationale, quelque bien composée qu'elle puisse être, ne pourra agir que dans l'intérêt de la réaction et détruira la République, donc pas d'assemblée, ou pendant ni après la guerre. Et toi, chère mère, suis mes conseils. Soigne ta santé pour moi, plus encore que pour toi. Sois tranquille et confiante, l'avenir sera meilleur que le présent et nous en consolera. Puisque tu peux être tranquille sur moi, fais donc en sorte que je puisse te retrouver bientôt bien portante et satisfaite. En attendant, je t'embrasse et t'aime de tout cœur. Vive la République sociale, amitié aux amis, ton fils qui t'aime, Édouard Vaillant. N'applaudissez pas, c'est pas fini. Il y a encore un petit complément. Embrasse pour moi mon père qui devrait avec toi quitter le Berry s'il est menacé. Mes quatre questions pour les réponses de la carte réponse sont: premièrement, ta santé est-elle bonne? Deuxièmement, es-tu tranquille et suis-tu mes conseils? Troisièmement, es-tu décidé à éviter l'invasion en t'éloignant? Chez Madame Roideau serait le mieux. Quatrièmement, père, parents, amis vont-ils bien? Je ne doute pas que mon beau-frère et ma sœur ne soient écartés, et ils ont bien fait, puisqu'il n'y avait aucune utilité à rester. La Commune, on dit 62 jours. En fait, bien sûr, ça commence le 18 mars, mais en fait, elle est proclamée le 28 mars. Et puis, elle s'arrêta de rêver à une république sociale universelle le 21 mai. Après, elle avait d'autres chiens à fouetter, malheureusement. Mais le 18 mars, Potier écrit « Anniversaire du 18 mars 1871 ». Il écrit ça le 18 mars 1887. « Si noire soit notre misère, les camarades,
Unissons nos cœurs, nos vers, nos chansons. Fêtons le grand anniversaire. Jour du peuple, en masse levée, il échappait à l'embuscade. Le seul en frémit, le pavé se souvient qu'il fut barricade. Revivons ce cher souvenir, l'histoire n'a rien d'analogue et du demain qu'on doit venir, le 18 mars est le prologue. Il rugissait les fédérés sous un état-major de traîtres. Les 30 sous, exaspérés de leurs canons, se rendent maîtres. Alors, le pouvoir lâche et fou s'évade dans la nuit profonde. Patrie, Paris, la bride sur le cou, sans qu'un monde il va mettre au monde. Ce fut le jour des inconnus. Peuple, sorti de tes entrailles, dictateur en blouse, aux bras nus. Leur nom étonne nos murailles, et dans un style magistral, c'est un groupe de prolétaires, le grave comité central qui tient tête aux parlementaires. L'hôtel de ville triomphant voit s'entasser la foule brune. Paris, joyeux comme un enfant, y vient proclamer la commune. Le canon tonne se réveille, cet échec à la bourgeoisie, et l'on voit grouiller au soleil l'ensemble plein de poésie. Ce fut un matin radieux, germinal, où tout être bouge. Les peuples entr'ouvrent les yeux à la splendeur du drapeau rouge. Ils frangent d'or l'humble haillon. L'horizon bleu s'en illumine. Il s'en filtre même un rayon dans le noir enfer de la mine. Si noir soit notre misère, les camarades, unissons nos cœurs, nos vers, nos chansons, fêtons le grand anniversaire. La commune, au départ, c'est la fête. D'ailleurs, les barricades du 18 mars disparaissent un peu pendant ce mois de mars. Jules Vallès parle du 26 mars, jour du vote. Quelle journée ! Ce soleil tiède et clair qui dort la gueule des canons, cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue. Ces tressaillements, ces lueurs, ces fanfares de cuivre, ces reflets de bronze, ces flambées d'espoir, ce parfum d'honneur, il y a là de quoi griser l'orgueil et la joie, l'armée victorieuse des républicains. Oh, ô grand Paris, lâche que nous étions, nous parlions déjà de te quitter et de nous éloigner de tes faubourgs qu'on croyait morts. Pardon, patrie de l'honneur, cité du salut, bivouac de la révolution. Quoi qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain ? Notre génération est consolée. Nous sommes payés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Clairons sonnés dans le vent, tambours battez au champ. Embrasse-moi, camarade, qui a, comme moi, les cheveux gris. Et toi, marmot, qui joue aux billes derrière la barricade, viens que je t'embrasse aussi. Le 18 mars te l'a sauvé belle, gamin. Tu pouvais, comme nous, grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de faim et crever de honte, avoir l'indicible douleur des dégénérés. C'est fini! Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. Vous avez reconnu comme une rivière bleue qui donne son titre à un beau livre aussi de Michel Audin.
Et fils des désespérés, tu seras un homme libre, voilà un slogan. Alors, Vaillant était à l'exécutif depuis le début de la commune, il s'occupe donc de tout dans la commune, hein, du ravitaillement comme des affaires militaires, mais à partir du 20 avril, il sera remis en plus à la commission de l'enseignement. Donc on retient que Vaillant était un peu le ministre, même s'il n'aimait pas ce mot, parce que ministre est galvaudé depuis longtemps, mais il était le responsable de l'instruction publique et de l'éducation pendant la commune, et il fait, lui, la première application en France, peut-être même dans le monde, de l'école laïque gratuite obligatoire, et contrairement à Jules Ferry, afin de provoquer l'émancipation du peuple et non pas son asservissement au patronat. Enfin, voilà, bon, vous êtes dans la bonne salle. Hein. Alors, voilà ce qu'il fait paraître, parce qu'il y a le journal officiel, hein, et les affiches qui sont la communication de la commune. Et là, c'est une proclamation du 17 mai 1871. Considérant qu'il importe que la révolution communale affirme son caractère essentiellement socialiste par une réforme de l'enseignement, assurant à chacun la véritable base de l'égalité sociale, l'instruction intégrale à laquelle chacun a droit, et lui facilitant l'apprentissage et l'exercice de la profession vers laquelle le dirigent ses goûts et ses aptitudes. Considérant d'autre part qu'en attendant qu'un plan complet d'enseignement intégral ait pu être formulé et exécuté, il s'agit d'arrêter les réformes immédiates qui assurent dans un avenir prochain cette transformation radicale de l'enseignement. La délégation de l'enseignement invite les municipalités d'arrondissement à envoyer dans le plus bref délai au ci-devant ministère de l'Instruction publique 110 rue Grenelle-Germain les indications et renseignements sur les locaux et établissements les mieux appropriés à la prompte institution d'écoles professionnelles où les élèves, en même temps qu'ils feront l'apprentissage d'une profession, compléteront leur instruction scientifique et littéraire. Les municipalités d'arrondissement sont priées en outre de s'entendre avec la délégation à l'enseignement afin de mettre le plus rapidement possible les écoles professionnelles en activité. Le membre de la commune déléguée à l'enseignement, Édouard Vaillant, Paris le 17 mai 1871. Dans la foulée, deux jours plus tard, le même Vaillant. Je prie les membres de l'Assemblée qui s'occupent des municipalités de vouloir bien m'écouter. La commune m'a donné une délégation dans laquelle je me trouve souvent en conflit avec certaines municipalités, tandis qu'avec d'autres, tout va pour le mieux. L'enseignement ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Phrase éternelle. Pour aujourd'hui, je vous parlerai des jésuites. Ils interviennent partout et sous toutes les formes. Des municipalités très ardentes en ont fini en deux jours. Dans d'autres, l'on n'a pas pu les chasser. Il serait urgent que deux mois après la révolution du 18 mars, on ne vit plus de ces gens-là. Il serait bon que les municipalités eussent un peu plus de zèle. Et les fils disparaître en 48 heures, d'une façon absolue. Voici donc ce que je propose. Sur la proposition de la délégation à l'enseignement, la commune décide. Vu les nombreux avertissements donnés aux municipalités d'arrondissement de substituer partout à l'enseignement religieux l'enseignement laïque. Il sera dressé dans les 48 heures un état des écoles tenu encore par les congrégationnistes. Cet état sera publié chaque jour dans l'officiel avec le nom des membres de la commune délégués à la municipalité de l'arrondissement ou les ordres de la commune au sujet de l'établissement de l'enseignement exclusivement laïque n'auront pas été exécutés. La proposition du citoyen Vaillant mise aux voix est adoptée, c'était le 19 mai. Voilà. Vous avez vu dans le Berry républicain aujourd'hui qu'on avait planté le jour de la Sainte-Catherine, en toute laïcité, un cerisier à l'espace Gabriel Rangier à Bougie, son pays natal. On a mis 40 ans pour qu'il y ait un espace Gabriel Rangier à Bougie. Ranvier, c'est lui qui, le 28 mars, à l'hôtel de ville, fait la proclamation de la commune, un berrichon, un balgicien. J'ai le cœur trop plein de joie pour prononcer un discours.
Permettez-moi seulement de glorifier le peuple de Paris pour le grand exemple qu'il vient de donner au monde. Au nom du peuple, la Commune est proclamée. Vallès parlera de lui dans L'Insurgé. Ranvier, un long corps maigre au haut duquel est planté, comme au bout d'une pique, une tête livide, qu'on croirait coupée s'il baissait les paupières. Telle est au repos la physionomie de Ranvier. Mais qu'il ouvre la bouche et qu'il parle, un sourire d'enfant éclaire son visage et la voix, éraillée par la phtisie, est sympathique. Avec son reste d'accent berrichon et son arrière-goût de lutrin, il a été petit patron, la faillite lui a mangé ses quelques sous. Il n'en parle jamais, capable de croire qu'il a entaché le blason du parti. Mais la blémeur qui lui enfarine la face est peut-être venue le matin où le syndic a prononcé la déchéance. Sobre, buvant des sirops, le grand cadavre, pour trinquer avec les buveurs de sang, de vin, mangeant mal pour laisser sa part aux autres, pouvant à peine, en passant les nuits, arriver à nourrir 6 enfants qui poussent autour de lui sans mère. Elle est morte après avoir été l'éducatrice de son mari. Alexine Ranvier, militante des droits des femmes, a été enterré, enterrement civil, suivi par 2000 personnes avant la Commune. Lissagaray vante sa bravoure. Le seul qui fasse figure est Ranvier. Nous parlons de la semaine sanglante, juste avant la semaine sanglante. Une énergie superbe dans les batailles. Il fut, pendant cette agonie, l'âme de la Villette de Belleville, poussant les hommes, veillant à tout. Le 26, il fait imprimer une proclamation. Citoyens du 20e, si nous succombons, vous savez quel sort nous est réservé. Aux armes, de la vigilance, surtout la nuit. Je vous demande d'exécuter fidèlement les ordres. Prêtez votre concours au 19e arrondissement. Aidez-le à repousser l'ennemi. Là est votre sécurité. N'attendez pas que Belleville soit lui-même attaqué, et Belleville, encore une fois, aura triomphé. En avant, donc, vive la République. C'est la dernière affiche de la Commune. Voilà, on a dit que cette année du 150e avait été féconde pour notre association, qui est la plus ancienne d'ailleurs de France, puisque l'an prochain, on va aussi avoir un anniversaire, puisque c'est en 1882 qu'elle a été créée. Le texte qui arrive fait référence à quelqu'un que vous connaissez par ailleurs pour l'ère des cerises, le temps des cerises, Jean-Baptiste Clément. Mais il a écrit aussi un texte qui s'appelle « La semaine sanglante », chanté en 71, hein, il a écrit, et ça a été ensuite chanté sur l'air des paysans de Pierre Dupont. Mais ça a été réactivé dans les manifestations. Dans les manifestations, on voit beaucoup la CGT. On a vu beaucoup aussi la Commune cette année, côte à côte. Et ce chant a été souvent repris pour deux raisons. Hein, parce qu'il y a les mouchards et les gendarmes qui castagnent. Et puis parce qu'il y a l'espoir que les mauvais jours finiront, égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Hein, c'est la semaine sanglante, alors je laisse à Vincent Faucheux le privilège du chant. Je vais juste vous le dire, la semaine sanglante. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère. Les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront.
On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets des rois et d'empereurs. 8 mai, ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres-peuples et des curés. Ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? 8 mai, ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Maison d'arrêt de Versailles, 19 décembre 1871. Cher maître Victor Hugo, je vous confie Théophile Ferré, c'est le meilleur d'entre nous, le plus généreux dans le triomphe, le plus fier dans la défaite. C'est pour cela qu'on l'a condamné à mort. Il va être exécuté sous peu. Sauvez-le. Ce n'est pas le premier que vous arracherez au bourreau. Ce ne sera pas le dernier. Le temps presse. Je le remets entre vos mains. Poète, écoute-moi. Loin d'un siècle vulgaire, nous irons, remontant le passé, chercher de la lumière. Une seconde fois, Dieu souffla sur le monde et de sa parole féconde sortit un être étrange. Il avait comme Dieu le pouvoir de créer. On le vit s'élancer, orgueilleux et vainqueur, voguer dans l'infini, fougueux navigateur. Ainsi, poète, je te vois. Ainsi, je crois en toi comme au Seigneur lui-même. Quant à moi, mon séjour dans la prison est facile. La solitude repose. Maintenant, le silence nous environne. Toute fatigue a disparu. On vit, on pense, on est libre. À vous la gloire d'être seul vivant et juste dans ces ruines. Sauvez, Ferré, sauvez-le. Nous vous en supplions. Louise Michel. Maison d'arrêt de Versailles, 23 décembre 1871. Poète, Ferré a été exécuté. Écoutez plutôt. Passé, passé, heure, journée, que l'herbe pousse sur les morts. Tombé, chose à peine née, vaisseau, éloignez-vous des ports, passez, passez, ô nuit profonde, et mettez-vous, ô vieux mont, des cachots, des tombes, des ondes, proscrits ou morts, nous reviendrons foule sans nombre, nous reviendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons, nous serrant les mains, les uns dans les pâles suaires, les autres encore sanglants, pâles, sous les rouges bannières, les trous des balles dans leurs flancs. Et le jour où Ferré a été tué, il y avait à côté de lui le colonel Rossel, qui a été capitaine de génie à Bourges en 1869. Rossel a été condamné, non pas parce qu'il avait quitté Metz et les généraux de pacotille de l'armée impériale, non, parce qu'il avait pris le parti de la Révolution. Sentence du Conseil de guerre. Au nom du peuple français, aujourd'hui,
Vendredi 8 septembre 1871, le 3e conseil de guerre de la 1ère division militaire, après délibération à huit lots, rend son jugement. Premièrement, le nommé Russell Louis Nathaniel est-il coupable d'avoir, pendant le mois d'avril-mai 1871 à Paris, commis un attentat dans le but de changer ou détruire les formes du gouvernement? Deuxièmement, le même est-il coupable d'avoir à la même époque et au même lieu commis un attentat dans le but d'exciter à la guerre civile, de s'être mis en tête de bandes armées pour résister à la force publique? Sur la première question, oui, l'accusé est coupable. Sur la deuxième question, oui, l'accusé est coupable. Conformément aux articles 231, 293, 204 et 238 du Code de justice militaire, ces crimes sont passibles de la peine de mort. L'accusé sera passé par les armes. Cette pièce, la vie de Russell, a été traduite en pièce par Pierre Allais. Pierre Allais, qui a fait la pièce inaugurale de la Maison de la Culture de Bourges en 1963, c'était la provocation. Alors, nous allons retrouver Bella, Isabelle et Russell. Donc, Bella apporte à son frère un panier de fruits. Bella. Louis, encore 3 jours et nous serons en décembre. Il a gelé cette nuit. Tu n'as pas eu froid? On nous a donné une couverture supplémentaire. Que font-ils? Mère est assise à la fenêtre. Elle regarde le chemin. Et père? Silencieux, il marche dans le jardin. Mère et moi avons trié ces poires pour toi. Bella tend un fruit. Te souviens-tu, Bella, ces pommes que nous mettions à cuire dans la cendre? Les groseilles servies dans les feuilles. Dans le mur du fond, il y avait un fossile en forme de coquillage. On y mettait l'oreille pour entendre la mer. Tu dansais avec une branche de noisetier dans la main gauche. Je t'appelais chèvre d'Irlande. Je t'appelais loup jaune. Les cailloux dans l'eau du puits faisaient un bruit lointain. Dans le cœur de la terre, pensions-nous. Tu racontais, Bella, que les étoiles étaient des alouettes en paille. Souvent, mère se mettait au piano et nous cessions de jouer pour l'écouter au fond du jardin. Le soir, père revenait. J'étais fier de voir qu'il montait à cheval. J'admirais ses épaulettes. Hier... Non, c'est toi, pardon. Hier, j'ai guetté la sortie des membres de la commission des grâces. Ces hommes n'ont pas l'air méchants. Pis que d'être méchant, c'est d'avoir peur. Ils marchaient si légèrement. Ils étaient pressés d'aller dîner. Si ta grâce est rejetée, père veut aller voir Thiers lui-même. Bella, à toi il faut bien que je le dise. J'ai fait ma demande de recours en grâce. Mais je n'attends rien de ces gens que je puisse accepter. Louis. Ce croquis d'après Callot que j'ai fait hier, donne-le à mère. Au greffe, il y a quelques objets qu'il vaudrait mieux retirer. Ta Bible anglaise, elle est pour toi. À demain, Bella. À demain. J'ai de la peine à pleurer. Nous sommes ainsi dans la famille. Les larmes ne veulent pas venir. J'aurais voulu pourtant me rassasier de larmes, mais la douleur s'accumule dedans et n'atteint pas le visage. Je songe combien sont promptes ces dernières heures et combien change chaque instant la perspective du passé et de l'avenir. Je ne sais plus ce que j'étais hier. Il y a comme des pages entières qui s'effacent du livre de ma mémoire. Combien de sensations, combien de sentiments sont ainsi effacés pour ne plus reparaître. Mais aussi que de douleurs, que d'angoisses sont ainsi disparues.
que de fautes incorrigibles où je ne tomberai plus, que de rêveries amères ne viendront plus m'obséder. Je salue la mort libératrice. Ce qu'elle m'apporte compense ce qu'elle m'ôte. Et pourtant, j'ai soif de vivre et d'aimer. Encore Louise Michel, un petit peu, voilà, avec un poème de Victor Hugo qui est paru d'une façon posthume dans le recueil de Toute la lyre, mais qui a été écrit au moment où il écrivait aussi L'année terrible, c'est-à-dire en 1871. C'est dédié à Louise Michel. Vous savez que Louise Michel avait une profonde admiration pour Victor Hugo, elle écrivait des vers à sa manière, mais Victor Hugo a aussi beaucoup d'admiration pour Louise Michel. À travers Louise Michel, c'est d'ailleurs toutes les femmes de la commune qu'il célèbre. Ça s'appelle Viro Maior, hein, il avait beaucoup de titres en latin, plus grande qu'un homme, plus qu'un homme. Et le poème dit ceci. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son gravat, la pitié formidable était dans tes paroles, tu faisais ce que font les grandes âmes folles, hélas de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais j'ai tué, car tu voulais mourir. Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine, Judith la sombre juive, Aria la romaine, eussent battu des mains pendant que tu parlais, tu disais au grenier, j'ai brûlé les palais. Tu glorifiais ceux qu'on écrase et qu'on foule. Tu criais, j'ai tué, qu'on me tue. Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser. Tu semblais envoyer au sépulcre un baiser. Ton œil fixe pesait sur les juges livides. Et tu songeais, pareil aux graves Euménides, la pâle mort était debout derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi. Car le peuple saignant est la guerre civile. Dehors, on entendait la lumière de la ville. Cette femme écoutait la vie au bruit confus, d'en haut dans l'attitude austère du refus. Elle n'avait pas l'air de comprendre autre chose qu'un pilori dressé pour une apothéose. Et trouvant l'affront noble et le supplice beau, sinistre, elle hâtait le pas vers le tombeau. Les juges murmuraient « Qu'elle meure, c'est juste, elle est infâme !»« À moins qu'elle ne soit auguste, » disait leur conscience. Et les juges pensifs, devant oui, devant non, comme entre deux récifs, hésitaient, regardant la sévère coupable. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si Dieu te disait « D'où viens-tu ?», tu répondrais « Je viens de la nuit où l'on souffre. Dieu, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui sort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains. Cela, femme, devant ta majesté farouche, méditait, et malgré l'amer pli de ta bouche, malgré le maudisseur qui s'acharnant sur toi, te jetait tous les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyait resplendir l'ange à travers la méduse. Tu fus belle et sembla étrange en ces débats, car chétifs comme sont les vivants d'ici-bas, rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées, que le divin chaos des choses étoilées aperçut tout au fond d'un grand cœur inclément, et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement. Voilà, on connaît tous la chanson de Jean-Roger Cossimon sur la commune, mais en ce 150e, un Espagnol d'origine, Serge Utgeroyo,
a eu son moment de gloire avec sa chanson, qu'encore une fois, je ne chanterai pas, parce que Vincent Faucheux m'en voudrait de lui faire de l'ombre dans sa spécialité. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Il était une fois dans ce grand cimetière. Écoute bien, l'ami, c'est une histoire vraie. Le gouvernement d'alors avait perdu sa guerre. L'État de Prusse avait vaincu l'État français. Pendant qu'on s'arrangeait entre grands de l'époque pour payer le tribut au premier des tueurs, voilà que de Paris, le peuple se convoque et décide comme ça qu'il ne veut plus de supérieur. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune de ne pas mieux en profiter. L'État de France implore son ami vainqueur de lui donner la main pour mater la canaille, car il faut sans tarder aller clouer la peur au cerveau parisien qui brave la mitraille. Et c'est le 18 mars de l'an 71 que depuis le palais où rota Louis XIV, M. Thiers a brandi quelques canons de bronze et crié vers Paris « Ils vous feront rendre gorge !» Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune de ne pas mieux en profiter. Une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Aussi, souvenons-nous que des frères oubliés, venus d'autres pays, citoyens de la terre, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune de ne pas mieux en profiter. Notre mémoire est née de ces quelques semaines. Compagnons et compagnes, il faut l'utiliser. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines. Et comme les communards, abolissons l'armée. Il faut gratter l'oubli dont on a recouvert les leçons des copains qui furent assassinés. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune de ne pas mieux en profiter. Finissons par Eugène Potier avec ce texte de chanson dédié à Édouard Vaillant, membre de la commune. La commune était un coup de foudre et Paris peut en être fier. Ce globe entier sent la poudre, tout comme si c'était hier. Défaite, attendant sa revanche, fracasse vautour, Loyola depuis lors branle dans le manche. La commune est passée par là. La lutte a dépavé la rue et décimé les bataillons. L'égalité mit sa charrue pour fouiller au cœur des sillons. Ce fut une hécatombe immense, mais partout le sang coula. Nous voyons germer la semence. La commune est passée par là. Elle exécrait le faux grand homme sur une colonne plantée et se culte à la guerre comme une insulte à l'humanité. Que Chauvin rugisse ou Clabaude, le singe arriéré d'Attila est tombé d'une chiquenaude. La commune est passée par là. Il vous souvient des Tuileries ? Décembre, il logea son bourreau. Il en fut, par ses drôleries, un palais à gros numéros. En ce temps de peste et de lucre, à l'amour, il donnait le la. Un jour, on y brûla du sucre, la commune
est passé par là. États-Unis et vieille Europe, le travail ouvre ses congrès. La science a pris la varlope, les marteaux forgent le progrès. Au soleil, l'avenir se trame, pas de frontières pour cela, les peuples n'ont plus qu'un programme. La commune est passée par là. Le congrès dit, je revendique sol, mine et puits, canal et rail, télégraphe, steamer, fabrique, les grands instruments du travail pour la production géante. Socialisons tout cela, bichons la classe fainéante. La commune est passée par là. Les cerveaux boivent la lumière. Elle grandit les travailleurs. Dans l'atelier, dans la chaumière, ils sont plus instruits et meilleurs. Lorsqu'au fond du plus pauvre bouge, on crie « Oh, grand jour, te voilà !» C'est qu'il rêve du drapeau rouge. La commune est passée par là. L'année dernière, il y a quelqu'un qui s'appelle Raphaël Messant qui a fait un film. Comme il s'estimait mauvais dessinateur, il a pris des archives et il les a animées. Et ça donne un résultat qui a eu un grand succès, à juste titre. Un même cri, une même joie. Quelques slogans capturaient le 1er mai de cette année. On voit que la commune était présente. Égard à la revanche, hein, on voit le refrain de Clément. Symbole de rapprochement. C'est pas le dernier. Celui-là, par exemple. Le slogan de Marx détourné est rappelé. Rappelons aussi que Vaillant fait une phrase qui est à l'origine des syndicats de type français, par opposition aux syndicats de type allemand en France, et qui a été surnommé le grand-père de la CGT pour être passé des bourses du travail à la CGT en 1895. C'est les vaillantistes qui vont tenir le syndicat, mais ça, vous connaissez votre histoire. Ce tour de chant, ce petit tour de chant qu'on nous avait demandé, on a essayé de le préparer au mieux avec Étienne. Alors il y aura vous allez le voir, des chansons qui vraiment parlent de la commune, qui pour certaines ont été écrites pendant la commune ou après par des artisans de ce mouvement. Et puis il y a d'autres chansons qui, de près ou de loin, comment dire, ont l'esprit de la commune, voilà, et qui, pour moi en tout cas, participent de ce mouvement qui, j'espère, va avoir encore quelques beaux jours devant lui. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour de pôle nu, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux,
La bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats portés sur nos rivages, quoi toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères, et l'on tremble à poignard quand la main t'a touché. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au fond, un jour de pôle nu, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les plaies déchiquetées, toujours des sauterelles, quoi les bagnes toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, au cadavre jeté ce manteau de parole, des maillons pour la bouche. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au fond, un jour de pôle nu, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute. C'était un temps commun, commune, comme un espoir mis en chantier. Il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. C'était un temps commun, commune, comme une étoile au firmament. Il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. C'était un temps commun, commune, comme artisans et ouvriers. Ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. C'était un temps commun, commune, comme ouvriers et artisans. Ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'était des forgerons devenus des héros. C'était un temps commun, commune, comme l'espoir mis au charnier. Ils voyaient mourir la commune, ah, laissez-moi chanter Potier. C'était un temps commun, commune, comme une étoile au firmament. Ils s'éteignaient pour la commune, écoute bien chanter Clément.
Ces deux premières chansons, l'une est un texte de Louis Aragon, mis en musique par Jean Ferrat, et l'autre est La Commune de Jean Ferrat, un tout petit peu adapté au point de vue historique, puisqu'il chante « Il y a 100 ans ». Moi j'ai mis « C'était un temps ». Un texte d'Henri Bassis, qui avait monté tout un spectacle sur la Commune dans les années 1971, une chanson d'amour, parce qu'il y avait aussi de l'amour pendant la Commune. J'ai juste un tout petit peu, apporté de la contemporanité, ça se dit ça, à la musique, voilà. Mais le texte est le même, il est très beau. Les amoureux du mois de mai. Les roses rouges de tes lèvres dans les fanfares des drapeaux, et c'est la ville qui s'enfièvre, et son cœur à fleur de peau. Tout ce printemps monte à la tête qu'on avait tant et tant rêvé. La vie a pris des airs de fête, le temps d'aimer est arrivé. La terre danse une caresse comme le ciel n'en vit jamais. Et moi j'écoute la promesse que fait l'amour au mois de mai. Paris qui part à la conquête, à des sourires éclatants. Oh ma coquine, ma coquette, et ce Paris qui a 20 ans. D'espérance et de jeunesse, c'est mon amour et c'est le tien. Des millions d'hommes nous connaissent, le monde entier nous appartient. La terre danse une kermesse comme le ciel n'en vit jamais. Et moi j'écoute la promesse que fait l'amour au mois de mai. Les doux serments que tu murmures se sont fendus à d'autres mots. Lisant le temps des moissons mûres, les mots de feu des temps nouveaux. Mon bel oiseau, mon hirondelle, tiens mon amour qui te fleurit. C'est un amour aussi fidèle que le peuple de Paris. La terre danse une kermesse comme le ciel n'en vit jamais. Et moi j'écoute la promesse que fait l'amour au mois de mai. Une chanson enregistrée par Marc Augeret, inspirée directement d'un texte de d'Eugène Potier. Elle n'est pas morte. On l'a tuée à coups de chasse-pot, à coups de mitrailleuse, et roulée avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourne des bourgeois se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un frais, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans le lit, dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte.
comme une lettre à porte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les maximes du corps et du mât ont vomi leur offense. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de falaise, ils en étaient tout bêtes. Fait qu'on était un fier tas à lui servir d'escorte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Si vous vendez qu'à Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça pour aux combattants, Marianne à la peau brune, du chien dans le ventre qui l'étend. Criez vive la commune, et ça prouve à tous les Judas, si ça marche de la sorte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu, la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu, la commune n'est pas morte. Et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Et donc, usurpé aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, donnant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont le surtient a dit qu'on le fusille, la France. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres, des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. La France. Leur voix se multiplie à n'en plus faire aucune. Celle qui fait toujours vos rites, vos erreurs. En remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle de ma bagueur, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien,
journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. L'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Années-là, de la commune, c'était un Paris foisonnant, un Paris qui s'ouvrait vers la révolution, toutes les révolutions artistiques, industrielles, etc. Voici d'Alain Leprest, Paris Chopin. Même les jours de quand ça pleut, le ciel allumé de flots bleus, dans nos trop jeunes cheveux gris, quand Chopin habitait Paris, Richard Wagner jouait Toubille, piquant un fiacre à la Bastille, on s'envolait jusqu'à Pantin, quand Paris habitait Chopin. La commune prenait son temps, si la rue avait mal aux dents, la fête soignait ses caries, quand Chopin habitait Paris. Ravelio courait la Sologne, on jouait du violon en Pologne, le pain coupait une bouchée de pain, quand Paris habitait Chopin. Des pianos flottaient sur la Seine, entre ces deux rives obscènes, ouvertes sur le pont Marie, quand Chopin habitait Paris. L'Amérique ruait vers l'or, Rimbaud était pas déjà mort, Cézanne n'avait pas encore peint, quand Paris habitait Chopin. La banlieue était en jachère, si les étoiles valaient pas cher, la Chopine n'avait pas de prix, quand Chopin habitait Paris. Les femmes fumaient le cigare, des locaux piaffaient dans les gares, mais on flânait de part au pain, quand Paris habitait Chopin. Garibaldi comme un Cheyenne recousait la botte italienne, par moments sur son cheval gris, quand Chopin habitait Paris. La rue sentait déjà le jazz, on cherchait sous les becs de gaz les lumières de Charlie Chaplin, quand Paris habitait Chopin. C'était tout droit d'asile en France, c'était un temps où l'espérance avait pâli son premier cri, quand Chopin habitait Paris. La mort jouée en virtuose, ses accords de tuberculose, sous le poumon des musiciens, en Paris.
Paris habitait Chopin. Quand Paris habitait Chopin. Paris, en fait, un texte d'un inconnu, un poète de la Commune, 1871. De drapeaux le long des quais et la foire au pain d'épices dans le cri des tourniquets, la Bastille des grands soirs, bisquez messieurs les espions, se décroche aux balançoires qui montent dans les lampions. Qui sait rire quand il saigne, c'est Paris. Qui refuse qu'on le plaigne, c'est Paris. Que le peuple règne, c'est Paris. Celui que les bourgeois craignent, qui du monde porte enseigne, c'est Paris. Cette valse qui folâtre vers la Seine disparue, c'est Paris qui va combattre et qui danse au long des rues. Les journaux de la Commune que l'on crie à s'étouffer, Paris a pris pour tribune les terrasses des cafés. Qui sait rire quand il saigne, c'est Paris. Qui refuse qu'on le plaigne, c'est Paris. Qui veut que le peuple règne, c'est Paris. Celui que les bourgeois craignent, qui du monde porte enseigne, c'est Paris. Les femmes, dans leurs toilettes, ont mis la joie du printemps. Voudrais-tu des violettes ou l'œillet plus éclatant? Un orchestre cuivre et cordes joue pour toi à cœur battant. Un obus sur la Concorde siffle et tombe à contre-temps. Qui sait rire quand il saigne, c'est Paris. Qui refuse qu'on le plaigne, c'est Paris. Qui veut que le peuple règne, c'est Paris. Celui que les bourgeois craignent, qui du monde porte enseigne, c'est Paris. Qui sait rire quand il saigne, c'est Paris. Qui refuse qu'on le plaigne, qui veut que le peuple, c'est Paris. Qui veut que le peuple règne, c'est Paris. Celui que les bourgeois craignent, qui du monde porte enseigne, c'est Paris. Merci. Alors, cette petite valse qui folâtre, comme dit le poète, c'est moi qui en ai fait la musique. Voilà. Oh. Et Étienne a bien voulu accepter mes caprices, comme d'habitude, et il a réalisé quelque chose de toujours efficace et joli.
Jean-Baptiste Clément, Le temps des cerises. Cerises et guérosignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant et pendant l'oreille. Cerise d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant le corps qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Étienne Manœuvrier. On va terminer par une chanson qui suit directement le temps des cerises. Il s'agit des Cerisiers de Guy Thomas et Jean Ferrat. J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé par sa politesse, si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant ma paresse, ce dont je rêvais quand j'étais gamin. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises, avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'aie pu boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Bien sûr, on dira que c'est des sottises,
que mon utopie n'ait plus de saison, que d'autres que moi, que d'autres ont chanté le temps des cerises, mais qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi, si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris, je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me résigner comme un homme aigri. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'aie dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Tant que je pourrai traîner mes galoches, je fredonnerai cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas. Que d'autres que moi chantent pour des prunes, moi je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'aie dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Il est vrai qu'on n'avait pas prévu de bis, et puis oui. C'est pas toujours facile de créer un spectacle sur un thème très précis. Donc, il n'y avait que ce soir 11 chansons, 12, mais en bis, moi je vous propose de chanter, de rechanter « Elle n'est pas morte, la commune ». Ah oui. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé dans son drapeau, dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Comme faucheur à grand timbré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevaient les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. «
Les journalistes, policiers, marchands de quelques milieux ont répandu sur nos charriers leur flot d'ignominie. Les maximes du camp, les Dumas ont volé de vos portes. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête, à l'enterrement de Falaise. On était tout bête, faut dire qu'on était un fier tas à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants, Marianne à la peau brune. Du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas si ça marche de la sorte. Ils sentiront dans le nom de Dieu la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu la commune n'est pas morte. Merci.